Hello, bon retour sur ma chaîne les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien. Dieu fait grâce malgré ma voix qui n'est pas toujours revenue, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de décoration de la table de fête. C'est la première fois que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère qu'elle va vous inspirer. Après avoir terminé de décorer notre table de fête, je vais partager avec vous ma recette de cappuccino. J'ai fait des recherches et j'ai vu une recette que je souhaite partager avec vous juste après. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé ma chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Et aussi, je suis passionnée de décoration, donc vous aurez quelquefois des vidéos de décoration d'intérieur. Sans plus tarder, passons à notre décoration de la table de fête. Je vais commencer par débarrasser et nettoyer, parce que comme vous le constatez, c'est un peu sale. Maintenant, je vais mettre le chemin de table. Je vais mettre cette guirlande, le genre de guirlande que j'utilise pour cacher l'intérieur du sapin. Je ne veux pas quelque chose de trop touffu. C'est vrai que ça fait vert sur vert, mais on va essayer pour voir si c'est beau. Maintenant, je vais essayer de mettre cette guirlande. On est dans les serres. La déco, c'est ça. Ensuite, cette petite boule. Notre centre de table étant terminé, je vais mettre les sous-plats. Ces sous-plats en osier. Après les sous-plats, on met les plats. Après les plats, je vais mettre les mouchoirs. C'est une décoration vraiment simple, très très simple. Maintenant, je vais mettre les verres. C'est vrai que ma table elle est petite. Là, j'ai mis les verres de vin. Et comme je vais faire le fleuri, les jus de baobab,
Je souhaite que ce soit lui ici. Donc, je vais mettre à côté. Ça fait un peu trop chargé, c'est vrai. Ça fait charger. Donc, voilà ma table de décoration pour les fêtes. Une table vraiment simple. Toute simple avec les couleurs de mon thème de cette année. Vert, or, blanc. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Nous avons rangé notre maison comme un temps de fête quand je reçois, que ce soit les réunions ou les jours de fête, comme le réveillon. Donc ici, on a enlevé le canapé, on a retourné pour mettre une table ici. Demain, on va louer une table et mettre ici avec la lampe. On a une maman non loin de la maison qui fait la décoration événementielle. Elle a les tables et les chaises. Donc, quand je sais que je dois recevoir, comme ce sera le cas, je loue une table, je mets ici. C'est sur cette table-là que je vais mettre d'autres plats, d'autres verres, d'autres cuillères et fourchettes, les repas, les vins et tout. Donc, ça va rester ici. J'espère pouvoir partager tout ça avec vous. Sur la table, j'ai ajouté ces deux bougies. Ça donne un peu plus de peps à la décoration, plus de peps. Donc, voilà un peu. Hello, ces derniers temps, vous le savez, je suis devenue fan de cappuccino au point de porter bébé et aller dans une station juste pour prendre le cappuccino et rentrer. Je me suis dit, mince, les vins et bien là. Il faut que je trouve un moyen de faire ça moi-même à la maison, même sans machine. Désolée pour les bruits du régulateur de tension. Il y a les baisses de tension. Dieu merci, il n'y a même pas de coupure. Il y a les baisses de tension. Donc, désolée pour les bruits. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas chercher comment le faire moi-même à la maison et ne pas me déplacer et surtout sans machine. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé comment le faire. On m'a proposé les ingrédients que j'ai achetés. J'ai acheté les ingrédients. Je commence par le sucre. J'ai pris le sucre en poudre. Ce sucre a coûté 800 francs. J'ai directement baissé ici. J'ai acheté l'ingrédient secret, arôme vanille liquide, parce que je suis fan de cappuccino vanille. J'ai acheté du lait, je ne sais pas si c'est exactement le lait ce qu'il faut, mais il faut du lait liquide en tout cas. J'ai acheté le café soluble, c'est ce qui a été écrit dans la recette. Je me suis d'abord trompée et j'ai acheté ce café-ci. Comme je ne maîtrise pas le café, j'ai acheté celui-ci. Et c'est après avoir facturé que je me rends compte que non, ça c'est le café moulu. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec vu que je n'ai pas la machine à café. Je suis retournée au rayon prendre le café soluble, donc le café qui fond tout simplement dans de l'eau chaude. Maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma recette? On me dit d'acheter le lait, c'est là. Le café soluble, c'est là. La vanille liquide, c'est là. Le sucre en poudre, c'est là. Et il me faut de l'eau froide. On a la recette, on va faire ce qu'on peut. Si on oublie, on regarde le bord. C'est le bord. Qu'est-ce qu'on a dit? Notre eau froide est déjà au congélateur. J'ai anticipé pour que ça ne traîne pas. Vu qu'ils ont dit 10 minutes, je sors mon eau froide et je continue avec la recette. Bon, voici mon eau. J'ai sorti l'eau froide du congélateur. Je verse ça ici.
Maintenant, on me dit d'ajouter du sucre en poudre. Sauf qu'on ne m'a pas donné la quantité. Vraiment, là, je suis un peu... ça me dérange. Peut-être j'ai trouvé une fausse recette. Je mets quand même 3 cuillères de sucre. On dit de mettre le café soluble. Ma question, c'est est-ce que le café s'il va se fondre dans l'eau froide? Ça a bien fondu, ça. Mais j'ai un souci. Ma recette n'a pas les quantités. Oh, ma recette n'a pas les quantités. Dans le bol du mixeur, je vais mettre de l'eau chaude pour nettoyer et enlever toutes les odeurs parce qu'il faut que mon cappuccino soit le mieux possible. Je mets un peu de bicarbonate dans cette eau chaude là. Désolée les amis, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir aller jusqu'à la fin de ma recette à cause de la baisse de tension. Le mixeur n'arrive pas à prendre. La baisse est vraiment grave. Malgré le régulateur de tension, malgré tension est hors de la place de régulation, vraiment, je vais juste continuer en chauffant mon lait et puis verser le mélange à l'intérieur. Au moins, ça aura le goût du cappuccino. On peut déjà mettre une cuillère. De vanille liquide. Je vais chauffer le lait et on va boire ça comme ça. Malheureusement, on n'aura pas la mousse et le bon goût de notre cappuccino. Mais on se lance. Vraiment, je vais tout débarrasser et on va boire ça comme ça. C'est quand même bon, ça a le goût du cappuccino, mais c'est comme si je n'avais pas suffisamment de vanille. Je vais ajouter la vanille dans ma part. Voilà. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!